Alors, il y a un monsieur, un manager, on lui a confié deux éléments, un homme et une femme nouvellement recrutés dans la boîte. Il est censé les coacher, les amener à progresser dans la boîte. Au bout de 18 mois, on est retourné chez le manager, on lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait des deux recrues? Il a dit à l'homme, je lui ai montré les défis de la boîte, sur quel levier il doit travailler s'il veut décrocher une promotion. La femme, alors qu'est-ce que vous avez appris à la femme? Elle, je l'ai appris à avoir plus d'assurance, à développer la confiance en elle. C'est tout? Oui, c'est tout. Je ne voyais pas qu'il y a un problème là. Il n'y a aucune promotion qu'on décroche parce qu'on sert le café. Il n'y a aucune promotion qu'on décroche parce qu'on est celle qui balaie. Oui, l'entreprise a besoin d'être propre. Les gens ont besoin de café, oui, mais on ne décroche pas une promotion parce qu'on est celle qui nettoie les assiettes après que tout le monde a fini de manger. Non, il n'y a pas une promotion là-bas. Donc, si toi tu es une femme et que tu veux progresser également dans ta carrière, décrocher des promotions dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche les enjeux, cherche les objectifs de l'entreprise, travaille sur ces objectifs, travaille à ce que l'entreprise atteigne ses objectifs et surtout montre ton travail, montre ta participation, montre ton apport à tout le monde et c'est ainsi que tu seras remarqué et tu pourras être promu. Sinon, on a tous besoin de la maison soit propre, du café, mais tu n'auras jamais une promotion pour ça. Tu pars déjà en tant que femme avec des handicaps. Tu le sais, je le sais, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et si tu veux aussi avoir une promotion, cherche désormais les objectifs. Sinon, c'est mort. Et surtout, ne te laisse pas distraire. Fais et montre. Fais et montre, ma soeur. Voilà, moi c'est ce qui a zone carrière catalyse. Je t'amène à aller aussi loin que tu veux dans ta carrière, aussi loin que tu puisses le rêver. Ciao. Et prends soin de toi. Montre ton travail.